Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour cette nouvel épisode, cette nouvelle émission de Réno Déco. Et ouais, ça faisait quelque temps que je m'étais pas ridiculisée à faire n'importe quoi avec un temps limité comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on s'attaque à cette starter-là, voilà, que vous pouvez admirer, magnifique, qui est dans Oasis Spring. Elle est superbe, il n'y a pas d'autre mot. Donc le but sera, comme d'habitude avec Réno Déco, de rénover cette maison et de la décorer avec quelque chose de plus fun, plus moderne, plus joli et mieux quoi. Tout est mieux. Tout est mieux dans le monde. Je vais donc déjà passer en mode construction. Je vais activer aussi le bébé Move Objects pour pas perdre de temps. Parce que sinon j'en ai pour 5 minutes rien que taper ce code. Je vous remonte donc la maison avant. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir, donc c'est génial, j'adore faire des trucs comme ça à l'arrache. Ça me conforte dans l'idée que je suis nulle. Au niveau du toit, non, je vais pas commencer à enlever les... Le toit est pas mal, oui, oui, c'est un petit terrain, donc vous voyez, j'ai une cime toute seule pour cette maison. Voilà. Je vais lancer le timer. Je suis déjà en stress, hein. Voilà. Attention. C'est parti, je vais donc te casser tout ça, hop, tac, 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 on casse tout, on récupère pas les fenêtres, non, j'ai cassé un mur, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas fait là, franchement, ça commence, comme ça vous allez pouvoir vous marrer, bon, mais franchement, c'est quoi cette déco les Sims, vous savez pas faire de décoration, c'est immonde. Ça aussi, ça se barre. Et pour le mur, ben je referme le mur. Du coup, j'ai plus de sol, j'ai plus rien. Mais c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Alors, ok, on va reprendre comme ça. On va reprendre comme ça. Qu'est-ce que je vais faire comme séparation? La séparation, nous allons séparer peut-être la chambre. Comment ça? Les blocs non compatibles. Oh non, 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 mais ça va pas commencer comme ça. Mais parce que j'ai cassé un mur, alors ça y est, ça me fait n'importe quoi. Ok, on va faire ça comme ça, alors. Groupe de blocs incompatibles. Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'es mauvais avec moi? Pourquoi t'es pas gentil? Voilà, comme ça, c'est bien. Tu vas pas me casser les pieds, non hein? Oh. Pourquoi? Eh ben, tant pis. Y aura un problème dans cette maison. Tu vas faire ça. Non, tu veux... Mais c'est sérieux? Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai cassé un mur, j'ai tout cassé la maison. Alors, on va passer aux fenêtres. Ça là, c'est dégueulasse. On va faire les fenêtres. On va mettre des grandes fenêtres. Hein, des grandes fenêtres. Alors, je me résigne pas à un seul pack. Non, non, je fais tous les packs que je veux. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ça ramène beaucoup de clarté. Hein, voilà, on va voir la poubelle comme ça. Non, la poubelle, on va la mettre ici. C'est déjà bien. Pour que les éboueurs puissent venir la chercher sans problème. Non, je voulais juste faire un catastrophe. J'ai fait de la merde, savez-vous comment? Quand je suis stressée avec un petit timer. Voilà, et une fenêtre là. On est bien comme ça. Non, 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 vous trouvez pas. Vous mettez ça comme ça. Il y aura deux chambres. Il y aura deux chambres. Bah pourquoi pas après tout. Il n'y aura pas de sol, mais il y aura deux chambres. Au niveau du sol, au niveau du sol, on va mettre du parquet ou de la moquette. Non, du parquet, du parquet, du parquet. Sachant que j'ai 9000, c'est bien. Est-ce qu'on peut mettre ce parquet là? C'est bien. Là, je peux pas mettre du parquet. Si, ça y est, je peux en mettre. Oh, mon dieu, mais quelle histoire, cette histoire. En carrelage. Oh, pff, carrelage, carrelage. Voilà, c'est très bien ça. J'ai pas supprimé les trucs de la salle de bain. Mais en même temps, on va mettre la salle de bain axée ici quand même. La douche, on va la tourner comme ça. C'est très... comme ça. C'est très long. C'est très dans la longueur, la salle de bain. Voilà, ils ont vu large. Bon, cette porte-là est moche. Il nous faut une porte d'entrée. Mais oui, parce que sinon, on ne peut pas rentrer dans la maison. Et ça, ça craint, je vous le dis, messieurs, dames. Si on ne peut pas rentrer dans la maison, que fait-on? Voilà, on a une jolie porte ici. On va peut-être en mettre une un peu moins jolie, mais quand même avec... voilà, si vous voulez aller dehors, ce sera par là, messieurs, dames. C'est comme ça. Le papier peint pour le séjour.
Le papier peint pour le séjour. Mais je dis pas là, franchement, en décoration, on va juste mettre de la peinture parce que. Ou alors, il y a des trucs des fois comme ça. Non, des briques. Allez, on va mettre des briques. Des briques un peu sympathiques. Je ne sais pas. Tiens, si, ça, c'est pas mal ça. Hein? C'est clair, c'est joli, c'est. Voilà, on va y arriver, hein. On va y arriver, il faut que je m'active. Dehors aussi, c'est pas fait. On va faire les parements. Est-ce que dans Chien et Chat, il y a des trucs sympas? Tiens, en blanc, est-ce que ça peut faire joli? On s'en fout, on le fait quand même. Ah oui, c'est magnifique. Tiens, tu vas le faire là. Oh, ça va quand même! Ouais, ça va, ça va, ça va. On va pas se stresser. Ouh. Ah oui, est-ce qu'il n'y a pas de toit? Mais qu'est-ce que j'ai foutu, maman mia? Oh là 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 là, je peux pas mettre de toit. Je peux pas. Tant pis, il n'y aura pas de toit. Pourquoi je me stresse? Pourquoi vous me stressez, les gens? Je vais appuyer sur G. J'essaye de pas trop stresser, mais j'ai l'impression que si je stresse moins, je n'avance pas. Voilà, je suis pas du tout rapide au niveau du cliquage. Allez, affiche-toi aussi, toi, vraiment. Alors, on va mettre bleu. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Tu vas mettre un comptoir comme ça. Et comme ça. Ouais, bah t'es obligé de mettre. J'aime pas mettre devant les fenêtres, mais là je vais être un peu obligée. Le frigal, il va être comme ça. Ça va être Georges de la jungle. La gazinière, il faut pas que j'achète trop cher, moi. Il faut pas que j'oublie. Ouais, ça passe, mais je dois tout faire le séjour. Donc la cuisine est allongée comme ça. Je vais mettre un évier. J'en mets jamais, mais je sais que faut que j'en mette un de temps en temps. Voilà, comme ça, c'est bien. Tu vas mettre une table pour manger. Histoire qu'elle reçoive des gens. À manger. Ça peut arriver. Elle est sociable, cette fille. Elle n'est pas comme toi. Hop! Même hop avec des chaises. Ça arrive. On peut s'asseoir aussi. Ça peut être sympa. Tiens, je vais mettre ces chaises-là. Voilà, quatre chaises. Et on va passer au côté salon. Et puis, il n'y a pas de porte pour entrer dans les chambres. Ah ben, bravo! Tu fais n'importe quoi! Franchement, hein, tu vas mettre une porte là. Ah bah si, il y avait une porte là, mais elle était moche. Merde, mais non, c'était celle de la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang, mais t'es moche, toi. Viens ici. Voilà. Hein. Non, on est bien, on a du soleil, il y a des nanas, tout ça. Alors, plan d'ensemble. On va prendre canapé. Stresse pas, mais active-toi surtout. On va prendre un canapé. Un canapé. Oh. C'est pas le même bleu. Hein. Ah, quel stress. Ouf, mais ah aussi, quand je te sélectionne, tu peux te mettre, s'il te plaît. C'est pas le même bleu non plus. Oh, tu m'énerves. Tu vas prendre le même bleu ici. Le canapé. Je sais pas où le mettre, ce putain de canapé. Y a pas de place. Tu vas le mettre là. Hein? C'est pas mal, ça. Ouais. On va dire ça. On va dire ça. Tu vas prendre un petit fauteuil parce que j'aime bien, moi, accompagner. Tu vas prendre un fauteuil comme ça. Non, ça. Ouais. Voilà. Tu vas le. Ouais, bah oui. Écoutez, j'ai pas trop d'autres choix, non? Bah non, en fait, on va pas le mettre. Je fais tellement n'importe quoi. Tu vas mettre une table basse. Basse? J'ai l'impression que. Ah. Ah. Ouais, bon, on va faire comme ça. Ça va être tendu, tendu. Hein? Un petit meuble. Oh là là, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Voilà, un meuble comme ça, là, un peu classe, un peu. Voilà. Une petite télévisionne. Hein? Pas trop chic, pas trop. Mince. Oh là là, ça y est. Je vous jure, comme ça me stresse de savoir qu'il y a un timer. Je me sens complètement incapable de faire des choses. Hop, on va mettre la petite télé ici. Ok, on va commencer à mettre des plantes. Il faut pas que j'oublie de mettre des lits dans les chambres aussi. Ça peut être sympa, hein, pour dormir de temps en temps. Genre quand on est fatigué le soir quand même. Hein, bah on va y aller, hein, parce que bon. Oh, c'est pas possible ça. De faire de caca comme ça. Les gens qui me regardent sur cette première vidéo me disent, mais c'est quoi cette meuf, elle est complètement starbée. Mais non, je suis pas starbée, je suis stressée, c'est pas pareil. Oh! Oh! Voilà! Et un lit! J'ai plus d'argent! J'ai plus d'argent! Oh! 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 Mais hein, c'est pas la même couleur! Ah!
Le stress. Pourquoi t'as pas la même couleur que le lit? Tiens, je vais te mettre comme ça. Un autre lit. Un autre lit pour un enfant, par exemple. Un lit pourri, on s'en fout. C'est moche, et bah c'est parfait. D'ailleurs, est-ce que... Ouais, bah tant pis! La plus grande chambre, ce sera là. Tiens, t'auras une table de chevet. T'es content? Hein? Il y a tout pour vivre ici, maintenant. La salle de bain, oui, j'ai rien changé à la salle de bain. Je suis désolée. Toutes mes confuses. Voilà. On va changer ça. Non, c'est pas ça qu'il faut supprimer, c'est ça, du coup. Je suis n'importe quoi. Non, mais je vous jure, d'habitude, je suis pas... Quand je fais mes constructions, je suis pas stressée comme ça. Oh, ça, c'est joli. C'est joli. Je vais le mettre là, du coup. Voilà, ça habille un peu la pièce. Des tapis! Des tapis! Il me reste 300 simflouz. Je vais pas avoir assez de tapis! Je vais pas avoir assez de place pour mettre des tapis! Oh! 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 Oui! Oui! C'est bien, ça habille comme ça. Faudrait mettre un tapis aussi ici. Oui! Genre... Combien de temps il me reste? J'en sais rien. Je pensais avoir supprimé mes CC, mais en fait, ils sont tellement buggés que je peux plus les supprimer. C'est magnifique. Ah! En plus, je suis en mode... je suis trop haute, alors je vois pas ce que je fais. Et les pizzous! Oh non! Oh non! Je vais supprimer une chaise. Ah! Eh ben, ça y est, j'ai fini. J'ai fini, j'ai eu le temps de supprimer une chaise, mais je peux pas faire grand chose d'autre. Bon, voilà, la maison est donc finie. Voilà pour ce réno déco. Bah, j'ai pas eu le temps de faire du tout un extérieur. Hein, mais bon, est-ce qu'on peut dire que je m'améliore? C'est plutôt pas mal, non? C'est bleu, c'est bleu et blanc. La chambre, bon, c'est minimal, j'ai pas eu le temps de mettre un deuxième rideau. Alors qu'on a vu sur la rue, c'est sympathique. Bah écoutez, on va retourner au mode vie. Et on va demander à cette demoiselle bah de faire sa life, si elle veut bien faire sa life. En mode je regarde avec ses yeux. Elle va forcément rentrer chez elle à un moment donné. Non, cette maison ça va, elle est pas si dégueulasse. Regardez-moi ce joli monde de Ozzy Spring. Voilà, elle rentre dans cette maison, regardez. Non, ça va, c'est mignon. Oh, c'est cute! Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va regarder la télé. Bon, alors par contre, il faut avoir des jumelles hein, pour regarder la télé. Mais c'est pas mal, j'ai envie de dire. Alors, on peut plus... Si... Ah, oh, ah, bon, eh bien, écoutez, hein, on n'aura visité que le salon, parce que je pense que là, c'est compliqué. Mais c'est plutôt sympathique. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes ou des commentaires ou à partager si ça vous a plu. Aussi, regardez ma page YouTube dans la description. Ça vous permet de regarder quelques publicités. Je sais, c'est insupportable. Mais ça me permet de donner des petits centimes sans que vous déboursiez quoi que ce soit. Et moi, ça m'aide à acheter les futurs packs Sims, etc. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur ma chaîne. Et à très bientôt. Salut.